Céline, tu fiches de non putain. Attends, il y a peut-être moyen. Deux secondes. Oh, champ de vision, putain de merde. Oh, je suis désolée. Oh non, ça m'était pas arrivé depuis l'échafaudage. Ouais, c'était très drôle. Ah, oh, je te promets, quand tu m'as bump et que je me retrouve coincée. Non, non, non. Commandant, nous avons un problème. C'est Braham, il est parti. Encore ? Il est encore parti. À la recherche de Ritlock et Chrystia. Nous sommes sans nouvelles d'eux depuis plusieurs jours. Je lui ai ordonné d'attendre, mais il n'a rien voulu entendre. Bon, combien de veilleurs avez-vous envoyé avec lui ? Aucun. Comment ça, aucun ? Nos effectifs sont déjà trop réduits, et il a refusé d'attendre des renforts. Il n'arrêtait pas de dire qu'il fallait aller vers l'ouest. Impossible de le faire taire. Le ton est monté, et il est parti en furie. Je vois. Qu'en pensez-vous ? Je crois que beaucoup de Nord n'ont cédé le murmure. Oh, c'est pas possible, tout ça. Nous avions confiance. Je sais, mais ce n'est pas le cas de Braham, Javi. Ouais. Je vous rejoins au fort des veilleurs. Je suis d'accord avec Monsieur Oursillon. Voyons voir la lettre. La voie vers l'ouest est ouverte. Et oui, mais tu viens de me le dire. Pourquoi tu m'envoies une missive? C'est Goric. Non, c'est Javi. Non, c'est Javi. Ah oui, non, c'est parce que j'avais un truc qui était antérieur. Pour ça, je comprenais pas. Ben ouais, moi, j'étais en train de me dire, mais ça y est, j'ai mal lu, je suis devenue folle. Non, c'est que j'étais sur je sais pas quel courrier qui me disait justement qu'elle a éclos. Hein? Mais qui a éclos quoi? Ben oui. Ouais, je crois que c'était les Drakkaï. C'était probablement ça. Bon, ben du coup, on doit aller là-bas, hein, encore une fois, hein, j'ai envie de dire. Fort des veilleurs. Hop, on y va. La frontière de Bjora, c'est ça? Ou de Jora? Jora, je crois qu'il le prononce. D'accord, ben Jora. Va pour Jora. Ben, c'est vrai qu'on n'avait pas fini l'explosion, donc. Non, c'est juste que... Moi, enfin, pour toi, je sais pas, mais moi, je l'avais fini. Et ils ont agrandi la map. C'est pour ça qu'elle est à nouveau à 50%. Attends, je sais pas combien de pourcents je suis. Je suis à 51%. Il y avait qu'un TP, hein. Ah, donc ouais, c'est peut-être probable qu'on en avait fini ou que j'étais pas loin de la finir. Moi, je suis à 51, en tout cas. Mon tissu n'est plus sur le site, je suis trop triste. Tu veux un mouchoir? Bah ouais, parce que du coup, j'ai pas de tissu. J'aurais dû le commander ce matin. Bah Javi, qu'est-ce que tu fous là-haut? Ouais, je suis à 51%. Tu admires la vue? Bon, j'aurais pu utiliser le lapin pour te rejoindre, mais bon... Non. Et avec tout ce qui s'est passé depuis Kalmora, je n'ai aucun éclaireur à envoyer pour les retrouver tous les trois. Si Braham est allé vers l'ouest... Pourquoi on t'a donné du bonjour ours argenté? Chez les athées? Ouais. Pourquoi ours? Ben, oursillon. Ah. Et silver, c'est argenté. Oui, ça, merci, je sais. La blague nulle, tu vois... Bah, argenté, je comprenais, mais pourquoi ours? Bah, à la base... j'avais ours en tête. Bah, à la base, oursillon, ça vient de... C'est la fusion entre papillon et ours. Bah, ouais. Je trouvais pas de nom de famille, alors j'ai fait avec ce que j'avais sous la main, donc voilà. Quoi. Ouais, mais c'est pour ça, je me disais, mais pourtant, Dany est pas connecté. C'est quoi ce bordel? Bah oui, j'étais en train de me dire ça aussi. Tu lui as parlé à Javi? Ouais, je viens de le faire. Du coup, on doit aller chercher Braham, comme d'habitude. Hein, genre. Ouais, comme d'hab. Ouais, il est pas très loin encore, a priori. J'ai pas regardé sur la map. Quoi? J'aime bien ton cerf, il est trop beau. N'est-ce pas, hein? Mais je trouve que cette monture convient beaucoup plus à un Silvari ou une Silvari qu'à un humain. Mais bon... Oh, ça fait office de cheval, hein, tu me diras. Il y a un loup, là. Quelque chose à signaler? Oui, il y avait un loup là. Peut-être. Ouais, je n'en suis pas sûr. Du loup. Donc c'est. Enfin, l'esprit des différents animaux, c'est un seul même esprit ou bien c'est des esprits différents, tu crois? Non, je crois qu'ils sont différents. Le revoilà.
Qu'y a-t-il, commandant ? Il y a comme une présence. Un loup, mais pas tout à fait ça. Il ne cesse de m'apparaître au loin, vers l'ouest. L'esprit du loup. Suivez-le, alors. Vous dites qu'il conduit vers l'ouest ? Droit oui. Vers le col des montagnes, là où se rendait Braham. Qu'y a-t-il de l'autre côté ? Un lac gelé. Un lac gelé ? Les nôtres le connaissent bien. C'est là que Svanir a succombé à Jormag. Je n'aime pas ça. Ah. Je vais franchir les montagnes. Rejoignez-moi dès que possible. J'espère que ça va pas se terminer en cliffhanger où Braham se transforme en... En Svanir ? Oh non, pas ça. Si c'est ça, alors là je me mets à rire. Moi, je crois que je me mets à pleurer. Non, mais parce que... Non, mais je sais, ce serait moche, mais je veux dire... ce serait quand même horrible que ça arrive, quoi. Mm-hmm. Très horrible. C'est une... Une instance. Ok, je te laisse lancer. Chasse aux fantômes. Mais... Ah, c'est Garn. Tiens bon! Il est tout seul. Ah, on va lui porter secours. Oui. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. T'as oublié les touches, c'est ça ? Garn. J'avais pas fait gaffe que c'était celui-là que j'avais. Le loup délire ? Qu'est-ce qu'il fait ici ? J'ai ma petite idée. Garn, où est Braham ? Conduis-moi à lui. Vite. Regarde. Non, il y en a pas sur la carte, mais le principe est le même. Bah, c'est une quête, quoi. Oh, la licorne! C'est moche, nom de Dieu. C'est... Mais non, mais reviens! J'ai pas fait un screen! Attends, il y a un panorama là par là. On fait l'expo en même temps? Bah, oui. Cool. Toujours. Je vais glisser. Ah non. T'as glissé, chef? Non, pas encore. Bon, là aussi. Je dois me poser. Merci. Hop. Prosper, panorama pour toi. C'est pour toi. Et en plus, il va pas le regarder tout de suite. En plus, il va attendre d'arriver jusque là pour regarder. Ah, c'est con. Mais demain, on est encore là. Hein. Pas il en chance. Est où là il en est. Où, Oren va mourir. Ça te va? Oh, il est pas si loin que ça finalement. Non, ça va. Ouais, je le croyais plus loin. Enfin, ah, tu croyais un épisode plus... Enfin, moins récent ce qui est très con d'ailleurs, parce que je sais qu'il a fait Joko. Bah... Ouais. Je sais pas pourquoi, je le voyais juste après Pof. Juste après Pof? Non mais... Sois pas médisante à ce point-là, quoi. Ah non, mais je sais pas pourquoi. Alors, on doit aider des Kodan. Ça tombe bien, l'event est juste en dessous. Il y a un chamandant, pas loin. Un mini chamandant jaune. Ah bon, je le vois pas. C'est une miniature. Ah. T'es donc chat. Oui. Tout devient cher. Tout devient clair. Mais c'est pas la faute à Papichon. À Papichon. À Papichon. C'est dur de faire un jeu dans Papillon quand même. Ben Papichon, ça marche bien. Ouais, mais c'est pas beau. Et alors, c'est pas fait pour être joli, hein. Chachichon. Ont dû s'enfuir dans les profondeurs. Et voilà, et qu'est-ce que je fais avec mon poisson nous maintenant avons été mis c'est triste. Tu manges. Nous avons tenu c'est pas bon. Merci l'ami. Comment ça, c'est bon? Bah, cru, c'est dégueulasse. Bouille. Mais le thon, c'est bon aussi. En sushi. Mais t'aimes pas cru? Ça dépend quoi. Tu t'attendais non, pas. Non, c'est pas ça que je voulais. Ben non. Et moi, j'ai trouvé. J'étais juste là aussi. Ouais, mais j'ai trouvé le truc. Ah nanana. Bah tu m'étais bonjour. Oui, c'est ce que je pourrais te dire à toi aussi, mais bon. Non, mais moi, j'ai le droit. Mais pourquoi? Parce que moi, je suis plus jeune. Bah non, t'es plus vieille que moi. Quoi? Où? Comment? Quand?
J'adore le scandale que tu viens de me faire et que tu viens de tomber avec ton chacal, c'était trop drôle. Alors, je ne suis pas tombée, j'ai sauté délibérément. Oui, bien sûr, c'est ça. Putain, en plus, je ne me crois pas. Si. Oh, un feu d'alerte, tu vois que j'ai bien un fait. Un feu follet. Un feu fallé. C'est pas rassurant du tout, ça. Oui, mais après, de ce que j'ai vu dans le trailer, Bram est un élu. Mais est-ce que c'est l'élu de Jormag? Ça, ça me plairait pas, ça, par contre. Moi non plus. Oh, j'ai pas filmé ta blague de merde, je suis déçue. Oh, la déception, quoi qu'il s'installe en moi, c'est dingue. Oh, putain. Refais-la, mais discrètement, ce sera coupé au montage ce que je viens de dire, t'inquiète. Alors, franchement, refaire une blague aussi pourrie discrètement, ça va être compliqué. Mais non, c'est tout à fait faisable. J'ai confiance en toi pour ça. À son sanctuaire, dans la forêt. Je m'attendais tellement pas à ça, quoi. Vous n'avez pas d'offrande. Réaction similaire. Vous n'avez pas d'offrande. Bah, pourquoi tout s'assombrit? Je sais pas, on s'enfuit? Vous n'avez pas d'offrande. Moi, je me barre. J'ai pas de remonte. Ah, il y a des champignons partout. Ah, c'est l'horreur. Comment on fait pour sortir d'ici? Ah non, mais il va pas venir dans la... Non. Non. Il nous a pas vu quand même. Ah, non, on est dans la lumière, ça va. Ah, faut ouais. Pas rentrer. Ouais, en fait, là, on est invisible. On a récupéré le site, on peut s'en aller? Bah oui. C'est le but. Oui, ben, je fais ce que je peux avec mes cheveux. Hein. Écoute, la tout preuve, à fait. La preuve, c'est les d'ailleurs. Non, c'est la vérité. Mais t'es sûr que c'est... t'es sûr que c'est par là? Rafraîchissant. Oui. Tu vois, la sortie, elle est là-bas. Ah oui. Avec les prêtres du Carcajou. Du Carcajou. Eh, oh, c'est pas ma faute, c'est marqué prêtresse du Carcajou. Hein. Mais c'est trop con. Ah là là. Mais il y a une prêtresse éveilleur avec, si tu veux. Oui, mais c'est déjà plus raisonnable. Prenez l'offrande, vénérable caribou. En même temps, quand tu regardes la tête de la statue, c'est pas un caribou. Hein, mais bon, on s'en passera. Tu vois, on dirait un genre de tanuki. J'allais dire exactement la même chose. Bah, tu vois? Faut pas l'écouter, Bram. Il faut l'ignorer. Mais c'est pas évident de l'ignorer, hein. Mais c'est ça, elle est beaucoup plus dangereuse que ne l'était Mordremoth, ouais. À ce niveau-là. Parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour moi, Mordremoth imposait sa volonté, alors qu'elle manipule pour y parvenir. Simple noble. Commandante, il faut... Merde. Il faut le tuer. Vite. Mordez la poussière. Toute votre vie, vous avez tenté de devenir le loup. En vain. Bram, laissez-moi vous donner mon pouvoir. Laissez-moi vous aider. Oh non, il se fait corrompre. Oh la vache. Aidez-moi. Bram, il faut rester concentré. Bram. Bon sang. Commandante. Oh non. Nous allons enfin pouvoir parler. Elle nous a dévorés. Oh non. Où est-ce qu'on est? Je te choisis. Hein? C'est toi? C'est, enfin, ton double maléfique. Ah oui, ça c'est sûr que c'est pas moi à proprement parler. Non mais, tu vois ce que je veux dire. Oui. Et c'est dommage qu'elle a pas gardé tes armes, ça aurait été très classe. Mm. Ça, d'une certaine manière, ça me rappelle l'ascension. Oui. J'observe ce système défaillant ravager des civilisations entières. Le poulet va y passer. C'est pas du poulet. Très bien ne pas le faire. Quoi? C'est pas du poulet. C'est pas grave, c'est pour la réforme. Le repas va y passer, ça te va? Non, ça devrait aller. C'est du porc. Donc, confiance en soi. Vaincre votre alter ego. En moins d'une minute. Sauver ce monde.
le préserver. Vous, Oren et moi, nous pouvons... Debout, soldat. Bangar. Oh non, Bangar est là, déjà. Commandant. Je vois plus rien. On a un champion dragon à tuer. Non. Repliez-vous. Nous avons des ordres. Ne le laissez pas récupérer. Sortez les griffes et déchiquetez-moi cette sale bête. Ne vous en faites pas. Ça y est. Nous nous reparlerons. C'est ça qui me fait peur. On va devoir lui reparler en personne, je parie. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Vous entendez ça? Quoi? Rien. La caméra? Rien du tout. Et l'interface aussi. Où est le reste de ton armée? Drakkar représentait une menace pour mes soldats. Ils corrompent les faibles. Comme tu le sais. Nous avons réussi ce qu'aucun orne n'avait pu faire. Nous avons repoussé Jormag. Et maintenant, le dragon a peur. Hé, hey, c'est nous qui avons affronté Drakkar dans ce lac. Vous ne pouvez pas débarquer comme ça, avec mon arc. Bangar, vous avez vu à quel point Jormag est dangereux. Vous l'avez dit, sa corruption est un risque pour tout le monde. Le fait d'avoir tué Drakkar est un message fort. Je suis le champion de Jormag à présent. Quoi? Moi seul peux contrôler le dragon. Jormag ne peut pas être contrôlé. Ça ne marche pas comme ça. Ryland, ne me dis pas que tu y crois. Mon impérator nous a donné un ordre. Ne doit-on pas le suivre? Je refuse de vous laisser ce mérite. Cela doit cesser. Maintenant. Je suis bien d'accord. Hein? Quoi? Qu'avez-vous fait? Commandante, debout. Allez! Vous devriez comprendre, commandante, mieux que quiconque. Commandante, écoutez-moi, concentrez-vous. Ça ne marche pas, Craig. Cela allait toujours se terminer ainsi. Oh non. Un char, un dragon, une championne. Oh, il est devenu le loup. Ryland! Faites pas ce coup-là. Faites pas ce coup-là. Commandante, aidez-moi! Soulevez! Faites pas ce coup là. Si. Non. C'est si. Non. Œil du Nord. Quoi? C'est quoi Œil du Nord? Attends. C'est qu'est-ce c'est plus ou moins la. C'est là où il y a le panthéon des héros. Oren. T'as grandi. Elle est au panthéon. Dans mon sanctuaire. Elle a une belle voix. On est au panthéon. J'ai guidé tes amis jusqu'ici pour que vous puissiez récupérer. Ils ont J'adore sa voix. J'imagine que tu as des questions, bien sûr. Je ferai de mon mieux pour y répondre. Elle est vraiment devenue magnifique. Oui. Laissez-moi aller éteindre le four, j'en ai marre, je reviens. Oui, vas-y. Complètement oublié tout, alors bon. Alors, l'œil du Nord, c'est vraiment. C'est la dernière extension. C'est Eye of the North. Oui. Où en fait, c'est là que tu rencontres les Azuras, les Nornes, les Nains. Ouais. Ou pas les Tchars. Ouais. Et c'est là que, quand tu arrives, en fait, tu passes par un portail Azura et tu traverses un peu le territoire Norn et tu arrives ici, à l'œil du Nord. Et c'est là qu'on retrouve Gwen aussi. D'accord. La petite Gwen qui a bien grandi et qui a bien été traumatisée. Ouais. Et après, tu as différentes quêtes principales, Azura, Nen, Norn et Char et Humen, pour essayer de tous les rassembler, pour essayer de tuer le champion de Primordus, le grand destructeur. Mais on est où ici, en fait? On est au Panthéon des Héros, qui est juste derrière l'Œil du Nord. Et c'est quoi le Panthéon des Héros? J'ai complètement oublié. Alors, le Panthéon des Héros, ce qu'on a à nos pieds, qui était plus bas que ça, c'était un peu le bassin. Et le bassin permettait d'avoir des visions. Et de revoir les cinématiques précédentes dans Eye of the North, mais ça, c'est pas le sujet. Et dans ces visions, tu avais notamment cette affaire de Destructeur. Je vois. Et après, c'est bon, un lieu uniquement pour les dragons ou bien... Non. Je comprends pas très bien, en fait. Réellement, on ne sait pas qui a construit l'Œil du Nord. D'accord. Je crois que c'est la garde d'Ebon qui s'appelait à l'époque. Donc une des sous-filières, si tu veux, des Séraphins.
avant qu'ils deviennent les Séraphins, a investi ce lieu pour s'en servir de QG, mais on ne sait pas qui l'a construit. D'accord. Et après, le Panthéon des Héros, donc il y avait ce bassin qui servait de lieu de divination, mais en dehors de ça, sur chaque, tu vois un peu des estrades, si tu veux, au milieu des végétations, etc. Et c'est là que tu voyais que tu mettais des miniatures, des armures particulières, des armes particulières, trucs un peu spéciaux, quoi. Mais ça servait un peu de stock pour Guild Wars 2. Ok, ouais. En tout cas, elle est super jolie. Ouais, elle est superbe. Tu as le dialogue de Rennes ou pas? Oui, mais je suis un peu lente à lire, donc... Alors, mon champion, enfin, toi, c'est ma championne, je suppose. Ouais. Non, mais c'est parce que tout à l'heure, tu les avais pas, c'est pour ça que je suis heureuse de voir que tu te portes enfin mieux. Je ferai mon possible pour apaiser tes rêves agités. Cet endroit m'est familier. Putain, mais 100% endroit familier pour Silma, quoi. L'œil du Nord ouais. Pardon. Oups, vas-y. À l'œil du Nord, une confluence d'énergie m'a attirée ici. C'est un lieu doté d'un pouvoir incroyable, connecté à travers le temps. C'est pas seulement un clin d'œil à Guild Wars, ça. Peux-tu nous aider avec Bangar? Que savez-vous de Jormag? J'aime bien, tu la vois. Pourquoi? Tu la vouvoies et tu la tutoies après, quoi. Pourquoi? Il fait partie d'une vaste toile dont les fils sont entremêlés. En couper un ne changera rien. Pourtant, on l'a quitté il n'y a pas si longtemps, Auré. Mais les fils sont reliés. Prendre une vie ne résoudra pas tes problèmes. Son heure viendra. Mais Jormag vous a laissé en vie tous les deux pour une raison. C'est qui, tous les deux? Bangar et toi, non? On parlait de Bangar, donc c'est Bangar, je suppose. Ah, bah oui. Ouais, je suppose, oui. J'en ai appris davantage. Je sais que Jormag t'a parlé. Longuement. La situation est plus complexe qu'il n'y paraît. Jormag a participé maintes fois à la destruction de la Tyrie. Rien n'a jamais changé. Mais maintenant, il y a toi. Et moi. Peut-être que Jormag se lasse de ce cycle. Peut-être qu'il veut préserver notre monde. Je ne sais pas. Pas encore. Ouais, on peut pas vraiment savoir si elle dit la vérité ou pas, quoi. J'ai tellement envie de mettre une vision de Lily ici. Et de Traherne aussi, parce que... Ouais, mais faudrait déjà pour ça avancer ta fanfiction. Oui, je sais. Que tu n'as pas fait depuis des années, hein, des millénaires, je dirais même. Ouais, oh, t'exagères un peu. Non, j'exagère pas. Je suis très triste d'ailleurs. Vraiment sublime. Mais oui, c'est pour ça. Pourquoi tu crois que je me suis rapprochée tout à l'heure? Mais elle n'est pas aussi grande que les autres dragons, mais c'est normal, elle est encore jeune, hein, donc... Elle est toute jeune, ouais. Ouais. Mais elle est devenue trop belle. Enfin, elle était déjà belle avant. Oh, j'adore. Faut prendre une capture d'écran. Ouais. Écoute, quand elle était quand même adolescente, hein, elle n'était pas très très jolie. Alors, le bassin de divination t'attire, hein, toi aussi. Ses eaux relient de nombreux fils dans les brumes et à travers... Nos alliés sont derrière, hein, pour info. Je pense. Ouais. Que c'est ce pouvoir qui m'a attiré ici. Mais j'ai besoin de temps pour le comprendre. Chim. Je suis désolée. J'enlève l'interface et je fais une capture d'écran. Ouais, c'est pas mal. Oh, elle est trop belle. Oh oui, trop. Pourquoi tu crois que je me suis rapprochée tout à l'heure, hein? Qu'est-ce qu'il y a dans le bassin? Rien. Ceci dit, elle a dit qu'elle était attirée par le bassin. Et nous aussi. Oui. Bah oui, on est connectés à elle, donc forcément c'est pour nous aussi. Ouais, mais disons que pour Sima, c'est une autre dimension encore. Ouais. Oui, mais on parle pas de ta fanfic, là, je veux dire. Je sais, mais disons que quand je joue Sima, je joue vraiment le perso, alors. Oui, j'ai remarqué. Commandante! Content de vous revoir sur pied. Que s'est-il passé? Comment m'avez-vous sorti de là? Il se peut que... je sois devenu le loup. Il se peut?
Pour l'instant, oui. L'esprit du loup avait vu juste, finalement. Il suffisait d'un déclic, comme de voir une amie en danger. Je savais que Braham en était capable. Il nous a sauvé la vie, une fois de plus. Merci. Je... Merci. Bon, et Bangar ? Il n'a pas perdu de temps pour s'attribuer tout le mérite à notre place. Les Char, qui ne le pensaient pas capable de mater un dragon ancestral, doivent se poser des questions à présent. Et Ryland ? Parti. Avec lui. Mais c'est dingue, je m'attendais pas à ce qu'il tire dessus, en fait. Mais moi non plus, quand j'ai vu ça. En plus, on était Stan et tout, j'étais là, mais... Oui. Ils vont nous foutre un cliffhanger, là ! Non, non, oh, je vois que Braham... Mais revoir l'œil du Nord, je m'y attendais vraiment pas. Oren. Ah, il fallait me voir avant. Ma championne, mes amis, nous voilà réunis. Mais les chars s'entre-déchirent de peur et de rage. Que faisons-nous maintenant ? Attendons de voir ce que fait Bangar. Il va présenter aux Légions la mort de Drakkar comme preuve de sa puissance. S'il se met à diviser les chars, on court droit vers une guerre civile. Et notre fils ? Notre petit a fait son choix. À présent, nous devons faire avec. Et être prêts. À tout. Ouais. À tout. Oh, c'est triste. Et voilà, c'est terminé. Et ça se termine ici. Voilà comment on fait. C'est dégueulasse, hein. Oh ouais. Mais je préfère ça plutôt que ça se termine sur nous en train de crever, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ouais, y a pas photo. Ouais. Le cinéma est resté très longtemps. Ouais, je comme sais. Comme Gwen, en fait. Oh, il marche même pas. Il marche. L'arnaque. L'arnaque, j'y ai cru, j'allais pas. Mais moi aussi.